Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass organisée par les IBM. Nous vous présentons nos sincères excuses pour ce retard, nous avions un souci technique. Merci d'avoir patienté. Un petit mot pour introduire, nous aimerions remercier l'INSCAE et la direction générale pour l'organisation de cet événement ici dans les locaux. Merci pour la logistique et merci pour l'équipe mise à disposition. Un petit mot pour vous expliquer aussi le déroulé de notre formation. Donc, ma collègue Boulatine Arazakatsar va introduire les IBM et vous présenter l'émission. Elle va aussi présenter notre formateur coach, Monsieur Tantel. Ensuite, il rentrera dans le vif du sujet. Nous aurons une session de questions-réponses de 15 à 20 minutes et puis nous allons clore la session. Un petit mot pour les abonnés aussi qui nous suivent. Vous êtes plus de 200 personnes en ce moment connectées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons sincèrement que cette formation sera une valeur ajoutée à votre parcours entrepreneurial. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Boulatine. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, pour commencer, je vais introduire que fait les IBM et pourquoi nous avons choisi ce thème de formation. Donc, les IBM ou Economic Development Board of Madagascar est l'agence de promotion et d'investissement rattachée à la présidence de la République de Madagascar. Donc, que fait concrètement les IBM? Donc, l'une des principales missions de les IBM est de booster la croissance économique et de créer des emplois à travers notamment l'appui au secteur privé. Donc, pour ce faire, les IBM apportent son appui en matière d'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements et l'opérationnalisation du cadre PPP. Donc, pourquoi nous avons choisi ce thème élaborer un business plan, tout simplement parce que l'année dernière, les IBM a récolté les projets sur les secteurs agribusiness et tourisme, et les résultats de cet appel à manifestation d'intérêt a donc permis de constater que les porteurs de projets ont des difficultés pour établir un business plan, et donc par conséquent, à accéder au financement. Donc, l'objectif de cette formation sera donc de pouvoir accompagner chaque porteur de projet tout au long de l'établissement de ses plans d'affaires. Donc, l'objectif aussi est de pouvoir accompagner l'entrepreneur depuis la phase d'idéation, en passant par la phase création et la phase promotion et développement de son projet. Donc, pour ce faire, les IBM se modernisent et s'investissent dans le digital et a mis en place 3 différents types de plateformes pour accompagner le client à travers les différents parcours. Donc, la première plateforme n'est autre que la boîte à outils virtuelle qui sera mise à disposition des entrepreneurs et qui donnera des formations et des guides qui sera plus dédié à la phase d'idéation. La deuxième plateforme n'est autre que la dématérialisation du guichet unique qui est déjà existant à l'IDBM. Donc, le porteur de projet n'aura plus à se déplacer à l'IDBM, mais il sera possible de créer, de modifier ou de radier son entreprise en ligne. Et la dernière plateforme est le site web. Donc, le site web, comme vous le savez déjà tous, c'est déjà opérationnel, mais est en cours de refonte pour pouvoir apporter plus de fonctionnalités à nos entrepreneurs. Donc, l'objectif de cette formation, si on revient un peu à cette formation business plan, c'est de pouvoir appuyer le porteur de projet dans la rédaction de business plan, puis par la suite promouvoir les projets qui seront rendus bancables et accompagner les porteurs de projets dans l'aboutissement de ce dernier. Donc, notre coach formateur aujourd'hui n'est autre que M. Tatel Ratsimbazaf, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement de projets et l'ingénierie et qui est collaborateur de QCA Conseil. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Tatel Ratsimbazaf, qui va nous exposer les règles d'or à considérer dans la rédaction de nos plans d'affaires. Sotra indrindra ny mahefa asy mbola tena isika ary miarahaba na ireo mpanaraka en ligne na ireto atao amin'ny efitrano satria misy ihany koa ny atao amin'ny efitrano anaraka an'ity
fiofanana fampahalalana manokana makasika ny business plan te mena anarany manokana moa izy hoe les 10 règles d'or pour réaliser son business plan. Zay ny andeha ho fakafakatsika eto, zay no vavahatsika eto mandritra ny fotoana irahatsika. Tena ny manamarika ary isorana manokana ny avy eo amin'ny OTBM satria izao no tanteraka dia noho ny fahavitriany teametraka ho tia azo lazaina hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tsy ho lazava resaka fa tongontsika dia hiditra ny amin'ny vatany resaka. Rehefa iresaka moantsika hoe di règle d'or zay dia misy lafinjavatra anakifolo zany andeha ho jerevantsika. Mialohan'izany nefa dia tia misy citation anankiray omeko anareo. Io citation io dia tena nanintona anahy manokana ary nindramiko tamin'ny Angelo Maya, amerikana izy io, amerikana mainty hoditra, sady poetesa izy no aktrisy ho an'izay efa nahita mety hitantsika any anaty tambazotra any dia afaka mamaky tsara hoe inona no omban'izany. Dia eto dia andeha hoerahantsika mijery sady mamaky hoe inona izany citation ny Angelo Maya zany. Ozy izy, si tu t'efforces d'être toujours normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Tsotra ny tsika sotomina ho anatin'izay. Rehefa manao zavatra tsika dia tokony tsy hiainga intsony fotsiny amin'ny zavatra manodidina sy efa fantatra ka hitovizana amin'ny hafa fa kosa tokony anana herihevitra iroso ary amoaka zavatra tsaratsara kokoa. Zay zany ny tena fototra ataontsika hoe esprit hitondrantsika nyreto fanazavana makasika ny business plan nyreto. Raha zay ny jerevana, ohatrohatra ny ahoana aloha amin'ny akapobeany ny antsontsika hoe fanaovana business plan zany. Fantatrantsika fa manana hevitra tsika. Fa amin'ny akapobeany ny elanelana misy ao amin'ny fampiarana sy ny hevitra dia misy fotoana na tsika misalasala na ihany koa mahatsiaro fa mbola tsy feno ny fepetra ahafahantsika manao an'izany tetikasa izany. Dia isan'ny outil anankiray azontsika ampiasaina irosoana mankany amin'ny fanatanterahana ny antsoina hoe business plan. Inona ary matetika entsika foana angamba izay antsoina hoe business plan izay fa matetika koa nefany dia tsy ampy ny fomba fahalalantsika ny antsoina hoe business plan ka tiantsika akana hevitra manokana hoe inona marina no zavatra mila songadina, inona ny tanjona ary manahoana ny tokony atao makasika an'izany business plan izany. Ireto ary misy lafinjavatra anankiroa izay azo lazaina hoe antom-pisian'ny business plan. Voalohany indrindra ary matetika izay ny fahalalantsika anazy fa business plan aloha izany ny fiafarany volavolaintsika eo izy dia ny fiafarany lasa document eny fahatarintsika rehetrarehetra iny fa ny contenu any rehefa avy eo samy manana ny azy. Zara roa nefa matetika izy io, ny anankiray dia document manana endrika ahafahantsika manoratra le tetikasa. Zay zany le atsontsika hoe dossier de projet entrepreneurial. Ao ny ahafahantsika mamaritra ny ara-pitaovana, ao ny ahafahantsika mamaritra ny stratégie tokony atao makasika an'io, ao ny ahafahantsika mifehy hoe ahoana ny fitantanana olona makasika an'io izavy no kompetansa tianao tadiavina eo anatiny eo sy ny sisa sy ny sisa dia hamaritra n'izany rehetrarehetra izany. Ary indrindraindrindra aza teny fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fisiana fidiram-bola noho izany miainga ao anatin'ny tsena. Zay zany ny anankiray. Fa faharoa izay matetika indraindray ataontsika hoe natao iompana amin'izay fotsiny
nanaovana business plan dia napetrakantsika ho dossier de communication zay afahantsika miresaka amin'ny banky miresaka amin'ny mpampindram-bola miresaka amina partenaire financier hafa dia mijanona atreo nefa tsy izay ihany ary izay ny andeha ho vahavahantsika fa hoe atraizany tokony hafahantsika mamaritra an'ilay business plan mba ho tena ho tia efficace amin'ny maha entrepreneur atsika ireto ary an ankoatran'izay fahalalana misy ananantsika izay dia ireto a misy fanampiny rehefa tena hidirantsika lalina ny mahakasika ny antsoina hoe business plan dia misy fanampiny a mahakasika an'izay voalohany zara efatra izy ireo ny ray ny antsoina hoe partie rédactionnelle eny ilay mahazatra antsika eny faharoa intégré ao anatiny partie rédactionnelle io fa atokantsika manokana dia ny antsoina hoe plan financier mbola mahazatra antsika ihany keo io fahatelo dia ary eo matetika isika no mbola tsy mahalala fa ankoatran'ireo anankiroa ireo a dia ny fisiny ny antsoantsika hoe porteur du projet le tompon'ilay projet manokana mihitsy zany zay tokony ahafehan'la projet de zay daholo zay izy ny fitenenana mahafeh anazy a zany hoe fananany ny hery hevitra sy hiaro ny heviny ao anatin'io tetikasy io azadiny fa tsy ho lanitsika tsenjery ny partie rédactionnelle sy ny plan financier rehefa anao business plan isika fa mila kosa fahaizana amin'ny feo hoe aiza daholo ny tena point important ao anatin'ireo a ahafahako rehefa avy eo mandresy lahatra zay ny idiran'le hoe executive summary ny anankiray ahafahana mifeny amin'ny akapobeany hoe inona ilay projet faharoa dia ny antsoina hoe pitch ny hafahantsika mandresy lahatra ny hafa ahoana ny resaka atao rehefa eona amin'itsy dia inona ny tokony atao rehefa zao dia inona sena ary matetika izay mbola tena vitsy ny manao an'izay zany hoe tena mila manao entraînement manokana mihitsy zany a na mila ampiana manokana mihitsy a mba hahafahany miaro io tetikasana io ny antony dia tsotra amin'izao fotoana izao a dia ho an'ireo azo lazaintsika hoe mpamatsy volana zavatra ohatraohatra izany a dia isany jerevany manokana mihitsy hoe iza mariny ireo porteur de projet ireo tsy hoe manan-kevitra fotsiny ianao fa tonga hatramin'ny hoe ho vitanao tokoa ve ananan'ny olona confiance ve ianao anatotosa an'io tetikasanao io zay ny antony noho izany zay partie confiance apetraky ny hafa aminao zay zany a mila loloavina tapony loha vo tena mandeha tsara ny business plan inona ary a ny tena ataontsika hoe tanjona ahafahana manao ny business plan misy lafiny anaky telo izy voalohany indrindra dia ny ahafahana mijery fa viable ilay projet ny antsoina hoe viable zany a dia aharitra raha zao tsika manompoka azy a afaka 50 taonatsika mbola fantatra ary eno sy tsapa fa mbola ao tsara zany projet zany ary azo lazaina mihitsy ary rehefa avy eo olovainy ny zanaka manjafy zay no antsoina hoe mahaviable azy noho izany a rehefa viable izy a dia tokony mandeha misy ny tsena sy ny sisa sy ny sisa fa tsy mbola hidirantsika lavitra aloha izay a fa ho hitantsika mian-dalana eo faharoa ny ahafahana mandresy lahatra dia ny anankiray tanjona fahatelo dia ny antsoina hoe ary eo koa matetika dia tsy dia mbola tena be mpampiasa ny business plan fa hoe ny foi ohatra nataony business plan azo nety ny négociation a dia rehefa nety ny négociation nisy partenaire financier ny araha niasa tamintsika fa ndraindray adiny fa mila mpiarina io business plan io dia zay ny tanjona ray fahatelo zany dia hoe servi de guide de la mise en œuvre ny tetikasanao ny ilaina ny business plan zay amin'ny akapobeany ny ataontsika hoe business plan amin'izao fotoana izao raha taloha tsy voatery ho izay taloha somary teknika kokoa zany hoe nyjanona teo amin'ny rédaction sy ny plan financier surtout fa ny amin'izao fotoana zany dia zay no iompana ny business plan
Il sait qu'il me retire avec le tort. Il n'a ni règle tort pour loin. Règle tort pour loin. T'es aussi joué. Rester focalisé sur ton domaine. Il n'a ni n'a pas de temps. Ça a fait un peu de temps. Un business plan. Il a dit que tu as un peu de ni produits, c'est un service. Attends, il y a un Israël, il y a un peu de temps. Il y a une création. Un jeu produit un service. Il y a un revenu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de mbola tsy tafiditra ao anatiny ilay hevitra azo raisina ianao izay. Faharo, mifanaraka amin'ny filaniny tsena. Fahatelo dia ny fahaizana mivarotra amin'ny ankapobeny ny produit sy ny servisintsika dia ho kompetitif. Izay izany ny zavatra mila trandrahana voalohany aty am-piandohana. Noho izany, tokony hoaino mifehany izay izany, izay no mahatonga antsika miditra ao anatin'ilay antsointsika hoe domaine d'activité stratégique satria domainena zavatra raina maromaro tena voafehy no atao a fa tsy hoe zavatra tsy voafehy. Aza dia ny famiverina foana tsika amin'ilay zavatra ny fampiresahana teo hoe ny antsoina hoe fifehezana dia nafahana ihany koa mandresy lahatra ny hafa. Rehefa tsy voafehanao io a dia sarotra amin'ny hafa ihany koa no resy lahatra. Ianao tompony ary tsy mahafehy azy, ahoana hoy ny ananan'ny hafa fitokisana aminao. Noho izany, tokony ho hainao mihitsy izany a io tetika asanao io. Faharoa, tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny ataoko hoe fahaiza manao anao. Satria tokony miainga amin'izay io, miainga amin'ny fahaiza manao ny tsirairay dia iny no heverina ho tetikasa rehefa avy eo. Fa tsy hoe zavatra hita tany ananinanina tany dia anaovana business plan satria manana ny hoety manana fa indraindray tsy voafehy araka ny tokony ho izy ny tetikasanao. Eo ihany koa ny fahaizana rehefa avy eo miditra ao anatin'ilay sehatra. Ny antsoina hoe fahaizana miditra ao anatin'ilay sehatra dia hoe mampiditra fomba fanao vaovao a izay afaka hamaritanao fa ny experience ny compétence anao a dia lasa ho valeur ajouté, izany hoe vadika ho tsy azon'ny hafa angalarina akory a. Satria aza dia ny fa io lobe antsika mipetraka eo io a rehefa io no manao zavatra dia sarotra ny angalarana azy. Noho izany, ahay izany mampiditra anazy ao anatin'izay a, ahay ny manasongadina anazy. Eto moa izany dia voalaza mety hoe branché et avant-gardiste raha mbola possible satria amin'izay fotoan'izay a ianao no sehatra lehibe eo amin'ny tsena anankiray a misy anao. Manarak'izay, tsara ny atontsika hoe mipetraka foana ao anatin'ny sehatra hoe tetika sananantsika dia tetika asa ahafahana miaina ao anatin'ny fotoana lavitra. Fandroana izy mety mandeha fa raha pitso izy mety efa zavatra hafa. Manome ohatra anareo fotsiny aho izao. Raha ohatra izao amin'izao fotoana izao dia izay moa izany ilay antsointsika hoe mahay misaisira opportunité amin'izao ohatra ny tena mandeha indrindra angambany ataoko hoe ny lamody indrindra izao dia masika. Be dia be nefa rehefa avy eo no manao karazana olona manao masika ary masika fa amin'ny fotoana anankiray a satria be loatra ny mpanao azy tsy nisy fiheverana tsara dia misy izy tena hoe nanjaitra sy nanao an'ilay masika ny nataony satria hainy izay fa tsy voafeno marché satria misy koa ny karazana masika mety mora vidy sy ny karazany na amin'ny fotoana iray a lasa mitobaka loatra izy eo an-tsena ohatra izao izay. Dia noho izany a misy karazana olona mety ny investira be izy tao anatin'ny fanaovana masika fa vetivety izy dia tsy aharitra na dia ataoko hoe mbola mitohy ary ny aretina satria ny concurrence mafy be dia be ny nanao. Hiditra amin'ny règle d'or faharoa tsika. En tant que porteur de projet, valorise ton équipe. Izay ny anankiroa règle d'or faharoa. Ozy izy ny fitenenan'izay hoe traite les autres exactement comme tu aimerais être traité toi-même. C'est tinao
Watoni yola mnao wa te atovia mnyola lo. Farefa yendao, numai tsara mfifandraisa na mseulzaya, te tsarufa, valeura supplémentaire wanao zay, lasa atotsikwe avantage wanao zay, arzai zavatsay, no aptombo indrindrindrindra ny crédibilité anao. Zay raha voalohany fa faharo, ny ekipanao a de tokony karazan'le olona ahay fehan'le tetika asanao. Zany hoe voafehany tsara zany le izy a, afaka niara hiasa ary indrindra indrindra ary zay ny tena ilaina, mifameno amin'ny kompetansy anao. Fa tsy hoe Dupont ihany ny Dupont. Fa tokony karazana olona mifameno amin'ny kompetansy anao no olona tsinjovinao sy tadiavinao hiara hiasa aminao. Ray fahatelo dia tsarovy fa biby tsy manandoa tsy mandeha ozy izy ny fitenenana. Tsara ao anatin'izay tetika asanao izay a, hoainao no mitarika en bon capitaine à bord ozy izy ny fitenenana. Zay no mahakasika an'iny. Faro, manampy ny crédibilité anao ihany koa ny fahaizanao mifehy miaraka amin'ny ekipanao ilay tetika asa. Tsy hoe falifaly fotsiny fa tian'ny mpiasa dia mijanona eo, fa tsy maintsy mahay mivarotra ihany koa izany, satria izay ihany a ny ahafahana mampiditra revenu ao anatin'ilay tetika asanao. Troisième règle d'or, fantary tsara ny tsenanao ahafahanao miaina ao anatiny. Faharoa, ahafahanao mampivelatra n'izany tsena izany. Amin'izao fotoana izao a dia misy fotoana mimora ny ataontsika hoe fifandraisana amin'ny client noho ny fisiny antsoina hoe réseaux sociaux. Afaka misy fotoana ary tsika lasa micréer communauté ana client manokana mihitsy, zany hoe afaka ny fandray amin'ireo client ireo a mivantana tsisy intermédiaire. Ary isan'ny sehatra ny velatra be ohatra izao a ny hevitra mahakasika an'izay nandritra an'ireny confinement ireny, satria na ny olona mitady zavatra ary any lasa voatery eny no hitady no tsy fahafahana mivoaka. Donc nanampy be dia be an'izany a ny fisiny ireny sehatra ireny. Noho izany tsy maintsy voafehy ihany koa izany ao anatin'izay. Rehefa miresakitsika ny tsena, miresakitsika marketing, dia tsy hiditra lalina betsaka miresaka marketing mix sinoesiny hoe stratégie marketing tsy dia any loatra no tena tiantsika hidirana. Na izany ary a dia misy exemple tsotsotra ihany reto ho an'izay tsy mbola tena mahalala mba ho inisie mahakasika an'izany antsoina hoe marketing mix izany. Marketing mix dia voafehy ao anatin'ny zavatra efatra: ny anankiray ny produit, avy eo ny prix, ny anankiray promotion publicité sy ny sisa, ny ray fanefany dia fafahanao mametraka ny réseau de distribution anao na ny antsoina hoe placement. Ny amin'izao fotoana izao io réseau de distribution io re leny resahantsika teo dia hoe misy fotoana rio a efa azontsika dinganina, satria isika mihitsy no mifampiresaka mivantana amin'ny client antsika à travers an'ireny réseaux sociaux ireny. Raha anao exemple fotsiny tsika dia azo organisena tsara ny produit. Reto ny produit anay izao izao izao, anjaranareo ny mandamina amin'izay. Azonareo alamina tsara ny fomba fametrahanareo ny antsoina hoe vidin'entana, tarification andreo produit sy ny service nareo ireo. Azonareo alamina tsara ihany koa hoe mandeha makaiza sy makaiza iza ny tsena tia kontrandrahana, aiza ireo a dia ohatra ny ahoana ka hahafahantsika rehefa avy eo manao an'izay formana placement izay hoe andeha ho atao arianana rehefa produit ohatra izao, andeha aizao ny servisy homeko an'ireto karazana client reto sy ny sisa sy ny sisa. Afaka alamina ireny a tafiditra ao anatiny. Exemple homeko anareo fotsiny iny fa hoe ireny izany ilay karazan-javatra mila tena asongadina manokana, satria fifehezana ny tsena dia isan'ny tafiditra ao anatin'ny règle d'or ny business plan. Quatrième règle d'or tsika izao: développe tes idées d'affaires de manière cohérente et réaliste. Zavatra tsika ambara ao anatin'io dia tsotra. Misy fotoana tsika izany a mila mamola vola satria ananantsika ilay foto-kevitra, ilay hevi-dehibe.
fan map fila transaire fa fioa no mistona manairan. Saire, famille, c'est une situation en accueil autre transaire. Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour, quelqu'un est arrivé qui ne le savait pas et il l'a fait. C'est le Sarah Fay Minazov. Tu sais que ça t'a mis sur Facebook, hein? Sur Facebook, on tire une autre nasse, t'as un super père, que nana, faut n'importe quelle liste. Tu sais, ah, morneio, hein? Ils sont étudiants, ils font noyan, ils font nanan, ils font. C'est le faire un geste, mi fanrai. Vous la terre que des tapis spéciaux, sans. Satrie, un détarrêtre, c'est nana tsaina pe, nirtrêtre, fa, tsambula anelo, lala na tuknele, fa naton, vitane. Nitsar. Tout le temps, zayan kuzan, tukneto tsikawe, manakev traisik. Fa we, you have to, de white sikan mandam nanazia, refa aitsikan mametra kan singa retarreta tuknifanara kamsan. Oulassa an me funza kevtra leipe. La tserevatsika omni sario zo de tserofa. Nyolla namorona nio a te pot de fleurs ataol napesain. Fa lasa manana endrika dekoratifa faran ze mafinaritra rehefa hainy mandrindra an'izay sy mandamina an'izay. Ohatr'izay ihany koa ny tokony ataontsika rehefa mandrindra ny fotokevitra ananatsikitsika. Zay fotokevitra tokony irindra ao anatin'ny lafinzavatra anankitelo. Mazava tsara, clair, mitombona tsara, concise, ary ny farany dia fanaraka amin'ny zava-misy, cohérent. Zay lafinzavatra telo zay zany rehefa mbola vola hevitrintsika tokony tsy ho very mihitsy dia amin'izay fotoana izay tsy very koa ilay hevitra. Règle d'or fahadimintsika izao. Partage ta vision sur la stratégie que tu vas déployer. Et c'est un drame qui est Michael Porter, c'est oui. L'essence de la stratégie est le choix d'accomplir ses activités de manière différente de celle de ses concurrents. Yuzan, tu es autour de ma pupille, c'est oui. C'est rien, n'y a pas. Fatigue à faire comme on t'a l'affaire, nous y sommes. C'est un petit lambario. C'est une femme en fait, n'est-ce pas, concurrence. Un cas, ma tonga tika metraka, et tika na stratégie marmar, et mouzan, a to tika word, et n'est-ce pas, stratégie smart. Il n'a ou les stratégies smart, et oui, stratégie spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Tu as fait une stratégie, c'est vrai, à on a fait un marché, 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 on a fait un afahatsika mifeny piasa satria aza dino fa rehefa tafiditra ao ianao mety manana teknisianina tena avolenta be. Dikany hoe teknisianina avolenta be anananao tokony ho hainao no mikolokolo sy mitaiza azy mba ho tamana. Farany zay tafiditra ao anatin'izay stratégie izay ihany koa dia ny fahaizanao mife ny vola miditra sy vola mivoaka, trésorerie, finance, investissement, charge, sensis, autre chose, on a tout, on a fait un arôme, fait un gène. Mais important, c'est de tout, oui, ta fille, tu as un certain vous fait, il y en a un, car, et famille, mien, 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 quoi, ni, il y a fait un homme, tantana, sa team, il a fait un tantana, fandin, dans le seio. Mis domaine, un actim, nous, Isania, mila, aïtsar, en fianaze, redimbreu, si vous faites un petit mécour, faire une autre chose qui est essentielle, n'y en a créé de ma casque les projets. Si les processus, eux, tout n'y en a tout n'y en a tout n'y en a, faro, marketing et commercial, faire des ressources humaines, faire des ni en son oué finance, ou t'y en a un autre qui est en a quel rien de faveur, faire des investissements par rapport à un réel
outils matériels de production, métilline en fanara kamtetikasanao. Deux grands domaines, tokono, faut faire ça dans notre business plan. Règle d'or, fayen tikso. Argumente bien ton budget et ta finance. Rehefa mandeha matsaka dia sogoka no entina. Noho izany tandremo fa mila fitandremana mihitsy ny amin'ny resaka ara-bola indrindra indrindra ary mila iomanana satria rehefa tonga any amintsika ny bemara ianao lany tany daholo ny vola dia ahoana ny fodiana. Ohatra izany. Noho izany aza dino a ary eto dia tena exigeant ireo karazana olona hijery ny partie financière anao surtout par rapport amin'ireo notion na solvabilité sy rentabilité ireo raha fitenintsika tsotra mino afa afaka tonga dia hijery dictionnaire nareo raha tehiteny hoe inona ny antsoina hoe rentabilité dia inona ny antsoina hoe solvabilité ny antsoina hoe rentabilité dia tsotra voalohany aloha tsy maintsy mahazo tombony ianao tombomaritra ny resahana fa mahazo tombomaritra ataontsika hoe raha amin'ny akapobeany dia sady maharitra no tsara afaka ampitahana amin'ny sehatra hafa ohatra manome ohatra anakiray tsika raha manana 1 million dariary ianao anaovana investissement ataonao investissement an'ilay projet anao io ve izay dia ohatra ny ahoana ny mety ho vokatra izay rehefa avy eo sa manana an'iny 1 million dariary iny ianao dia apetraka ao any amin'ny épargne any amin'ny banque izany a amin'ny taux 6% ohatra sur fa azo 60 000 ariary ianao a rehefa tonga ny faran'ny taona rehefa napetraka ao any amin'ny banque iny fa rehefa tao anatin'ny projet ianao kosa mbola point d'interrogation izay ok raha mahavita lavitra sy tsara noho izay par rapport amin'ny tany izay par rapport amin'io voalazantsika teo izay ianao dia efa manompoka azo resahana ny niveau de rentabilité anao izany hoe ohatra no rentable izany projet izany a fa raha tsy izay kosa zavatra hafa no mipotra faharoa inona ny antsoina hoe solvabilité solvabilité dia tsotra ao anatin'ny fandraharahana ianao a dia ifanerasera na amin'ireo partenaire financier anao na amin'ireo fournisseur anao na amin'ireo créance anao na ireo client misy karazana client mazoto mividy izy fa tsy tonga dia mandovy vola misy karazana fournisseur mahazatra anazy ny tiny dia tonga dia tolobotsitra dia raikitra ny raharaha fa ny olana nefa dia izao rehefa tsy voafehanao izay zavatra izay dia anana hiteraka olana eo amin'ny fomba fitantanana ny antsoina hoe trésorerie anao izay dia mety tsy ho voapaye ny fournisseur anao satria tsy mahalo vola ny client anao ny aferanao mety mandeha fa mivadika tsy ho solvable ianao satria lasa miengeza loatra ilay client tsy voafehanao sy ny sisa sy ny sisa vizavian'ireo andreo ianao dia lasa tsy solvable intsony raha ohatra ka izay no mitohy ohatra azonareo tsara angamba ny tianao resahana amin'izay solvabilité sy rentabilité izay fa raha fehezina izay a dia isy création na richesse aloha quelque any amin'ny anina satria isy revenu hiditra aminao anao investissement ianao mifanaraka amin'izay isafidy ianao hoe inona no fomba ahafahanao manatanteraka an'ilay projet anao anao autofinancement ve ianao vola oposinao izany no avoakanao dia inona natanterahanao anazy sa andeha indram-bola a matetika hoe mbola be dia be ny gasy manana fahasairanana amin'ny findramam-bola satria tsy mbola manana an'ilay ataontsika hoe fomba fitantanana ny antsoina hoe endettement ny endettement dia misy fotoana tena ilaina izany hoe mitrosy ianao ahafahanao mampivelatra ny projet anao misy fotoana io
tena ilaina be ny antony mety ilanana azy a dia voalohany ny afahanao créer revenu supplémentaire marina fa misy foana ny atsotsika hoe karazana emprunt azo atao fa misy fotoana mety tsy mahaleo ny sara ny vidina raha zay no izy a tokony ajanona aloha fa misy fotoana ny endettement zany hoe ny fanaovana emprunt no tena mampivelatra be an'le projet anao zay le ilainy zay ok tandremo nefa fa misy fotoana misy limite reo fitrosana eo fa ny fitrosana no voalohany miteraka ny antsoina hoe fahita mila fantarina tsara zany fa sao de hoe be loatra ny trosana tao a dia tsy ampy tsony le fomba ifehezana azy tsisy disiplinina tsony a dia lasa tonga dray amin'izay situation na fahita zay zay tena tokony tsy atao mihitsy manarak'izay dikan'izay dia tokony manana mesure foana ianao zany ahafahanao mahalala au jour le jour raha ny tokony ho izy a ny antsoina hoe situation de performance nao ahalalanao hoe azonao atao na tsy azonao atao a ny ohatraohatr'izay hoe manama misendete zany noho izany rehefa hitanao fa mesure de performancenao ireo ireo exemple fotsiny reo hitantsika ireo fa tsy hoe ireo akory le izy an de rehefa fantatrao ireo anananao tableau de bord hitanao ny évolution an'ireo a de tokony tsy ho sahirana ianao septième règle d'or tsika izao gère les risques de ton projet ary matetika io ny be dia be ny tsy mihevitra an'io io be dia be ny tsy mihevitra an'io nefany a ilaina tsara mihitsy ny fananana plan b de azadiny plan b fotsiny resahako eto a fa ny alphabet gasy misy raiky ambyroapolo ary ny alphabet frantsay misy enina ambyroapolo afaky ny anana plan b tsika plan c plan d etsetra etsetra marina fa mety ho mavesatra zany amin'ny fomba fitantanana fa tsara ihany miaro ny zavatra rehetrarehetra izay atao indrindra moa fa raha hoe raha sanatrika tsy mandeha ary lay tsena na ko hoe misy situation exceptionnel zay tsy mampandeha an'la tsena ka resaka catastrophe naturelle zao zany moa zany catastrophe sanitaire misy eto amintsika zay manova zavatra maromaro amin'ny lafiny fiariana noho izany militsika manana eto moa zany dia voalaza mihitsy hoe prévoir l'improbable io zany tena plan tsy haiko tonga hatrany amin'ny firy tokony ho hitantsika io a rehefa tena manahirana ny fitantanana na ihany koa mety manana état d'esprit tsika hoe mba tsy abe loatra ny dega dia maninona moa raha mba alefa tsikelikely izy io petit à petit ny anaovana azy zany fa tsy tonga dia ndray mipalaka dia tonga dia investissement be sendete dia tonga dia dette be sy ny karazana anytsika manjary sahirana fa hoe misy fotoana afaka atao petit échelle isan'ny tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe mode de gestion na risque ihany koa zay a rehefa mbola tsy tena voafehy tsara ny fandrarahana hitsofoanao amin'ny akapobeany règle d'or fahahuit fahavalo tu planifieras soigneusement ton plan d'approche eo tsika dia mila manao planification androany a zao ny mila atao rahapitso a eto raha fakapitso a sinsisa sinsisa omeko formana progression anankiray nareo rehefa avy eo ary io formana progression io tsy hoe nataotao foana fa hoe misy antony matoa atao zao nefa ny zavatra tena tokony tsikaritsika asa nareo raha miombokevitra amiko ka nandinika an'ity zavatra anankiray ity hoe nareo ve efa nahatsikaritra fa rehefa mitondra fiara ny parablise ngeza be eo aloha eo fa ny retroviseur telo kely a ray atao ampovoany eo anaty fiara dia ndroa ndray any velany akaviany ndray any velany akavanana ireo telo ireo a dia nataontsika foana ijerevana ny zavatra efa nitranga tany ariana tany fa no avy ny tena important indrindra mahatonga an'iny parablise ngeza be eo aloha eo noho izany ilaina ny ataontsika hoe miainga amin'ny zava-misy teo aloha fa azadiny fa
tokony ho haintsika ihany koa izany ilay miditra. Izay moa izany matetika no isan'ny resahana foana ihany koa ao anatin'ny antsoina hoe fandraharana, dia reo antsointsika hoe entrepreneur visionnaire. Izany hoe mahita lavitra izy satria ngeza be ny parapriziny, mety ho avy be ihany koa ny toerana misy azy, dia noho izany afaky ny ahita lavitra izy. Izay izany tokony tsy adino. Hiditra amin'ilay progression resahantsika teo tsika. Matetika rehefa mangataka isika hoe manaova plan financier, manaova prévision sy ny sisa sy ny sisa, dia ny angatahana en moyenne dia eo amin'ny 5 taona manaraka eo. Misy antony manokana ilay 5 taona raha raisintsika amin'ny ankapobeny, satria voalohany le taona voalohany dia ny afahantsika mametraka aloha ny antsoina hoe fototra na fondation. Faharoa, le taona faharoa, ary eo anatin'izay fondation izay tsika manomboka mijery hoe aiza ny mety, iza ny tsy mety, aiza ny lesoka mila arenina, inona ny zavatra tsara mila mafisina. Dia mitarika antsika izay ny imperfectionnement, mihatsaraina ny zavatra manodidina sy ilay tetika azy. Izay tsika vao afaka miendrandra fivoarana na ny antsoina hoe croissance. Mandra-patonga antsika ao anatina situation hoe stable ny maturité an'ilay projet. Izay tsika izany vao afaka ny andrandra fa mpahandresy isika amin'izay fotoana izay. Noho izany, izay isan'ny antony anankiray izany ka hiformana progression io izany tokony ho haintsika foana ny manaraka an'io hoe amin'ny période ohatra ny ahoana ary izay fondation, perfectionnement, croissance et maturité izay rehefa apetraka ao anatin'ny fotoana dans le temps. Teboka fahasivy na ny règle d'or fahasivy dia hoe facilite la lecture et assure la clarté de ton business plan. Azadino fa un business plan, hoy izy ny fitenenana izay, c'est le visuel pour soigner ce qui est si facile à bâcler. Tsotra kely ny manao an'io atsakraharà fa ohatrohatran'izay ihany koa ny fomba andraisan'ny olonanao. Ok? Ohatrohatr'izay ihany koa ny fomba andraisana azy. Dia marsa ray ihany no tena ataovy ao an-doha. Dia marsa ray ihany no tena ataovy ao an-doha. Ary izay ihany no meko anareo rehefa ao anatin'io resahantsika hoe facilite la lecture et assure la clarté de ton business plan. Tsotra izany. Arao orokoroka izy io. Keep it simple and sexy. Afoizintsika hoe kiss. Ataovy tsotra nefa manintona sy mahasondrina. Aza mitady zavatra compliqué fa tsotra. Manintona, mahasondrina, mampite hamaky, mampite hieno, sy ny sisa sy ny sisa. Fa aza adino nefany. Ary izay no matetika adinon'ny olona. Fa io documentnao io jerevana tsinona. Isy jery io, isy hamaky io. Ka rehefa any izy nefa hitany hoe ratsy dia aza adinonao Fa tsy asiany suitiny ny business plannanao satria inona ny antony? Tsy fantatrao. Satria maninona tsy fantatrao? Tsy izy mihitsy no iresaka amintsika fa ratsy be io business plannanao io. Tsy teny an'izany loatra akory ny partenaire mety hifampiresahanao. Na koa hoe izy no anazava hoe ty tsy mety sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany tokony ianao no mahafehy an'izay izany, miainga avy aminao io vita tsara. Fa tsy ataoko toto, vita kisy. Keep it simple and sexy. Règle d'or farany, fahafolo. Ary ty matetika dia tena vitsy ny olona sa miditra ao anatin'io. Ose faire appel à des expertises externes. Tsika olombelona tsy voatery afaky ny afeny zava-drehetra. Ny asa fanaonao ary tianao anaovana projet mety ho hainao sy voafehanao iny. Fa misy zavatra manodidina na resaka comptabilité fotsiny ary. Manahirana anao azonao externalisena nge izany. Mba tsy hampanahirana sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany, ose faire appel à des expertises externes mba hahafahatsika mibénéficier an'izay expertise izay. Satria ny hahafahatsika mibénéficier an'ilay expertise koa dia midika fa
Ola matiana niaranyasa taminao nanao anao sy nanampy anao amin'ny lafin-javatra tsy voafehanao hafa indray izy rehefa voafehanao an zavatra voafeha moa atao inona fa zara ary izy voafeha noho izany fa ça va vraiment tirer parti des expertises d'autrui misy ny zavatra efa hainy sy ny anona dia izao fa mila fanampiana ianao mila SOS ianao an aza misalasala fa atony ireny ifampiresao fa izy ny mety hanome vahaolana anao tapitra ny diregulateur ireo ny diregulateur mila haitsika no mifehy azy ka manomboka izao ary dia izao ny afatra kely avy ety amiko hoe maintenant n'hésite plus et lance toi dans l'aventure de l'entrepreneuriat sois acteur de ta réussite. Merci. Merci Tantel pour ce cours très instructif. En attendant les questions en ligne, donc on sollicite en fait nos auditeurs à nous écrire dans le chat public pour les questions. Je pense qu'on peut démarrer par une ou deux questions de l'audience qui est présente, comme il n'y a pas encore de questions pour l'instant. Je demande aux hôtesses, s'il vous plaît, de faire circuler le micro auprès de notre audience. Aurez-vous des questions ? Dans l'audience, peut-être ? Madame, oui. Et nos auditeurs, si vous avez des questions aussi, des remarques, n'hésitez pas à les glisser dans le chat public. Merci. Oui, Madame Yamin, Ntiti. Plutôt de questions, les faillites. Vous savez, c'est bien pas comme à copier les slides, tu vois. Ça, je trouve. Hey, un peu les slides. Femme tina dans les directs le tort. Fait ce n'est pas. Mais ça, ça m'y a un peu à rien à n'y a pas de mal. Alors, une question en ligne de Michel Zouzou, Monsieur Michel Zouzou, qui nous demande, est-ce qu'on peut réexpliquer très rapidement les cinquième et sixième règles d'or ? Parce qu'il y a une petite coupure en ligne, et c'est vrai que nos auditeurs ont raté une partie, donc en quelques lignes, peut-être, Monsieur Tantel. Cinquième et sixième. Sixième. Cinquième règle d'or. Oui, partage ta vision sur la stratégie que tu vas déployer. Manana ny hevitra ho anao, ahafahanao manatontosana ny hevitra iny. Les stratégies, mais c'est un tenu avant qu'on en atteigne ça. Des nations qui étaient mises en tenue Michael Porter, l'essence de la stratégie et le choix d'accomplir ses activités de manière différente de celle de ses concurrents. Tout comme Wayne Ozan, mais avec un autre niaf. C'est rafter dans ma casque les cinquième règle d'or. Sixième règle d'or, c'est qu'un TVE argumente bien ton budget et ta finance. Rafter dans des trucs, oui. Tout comme ici, un ton taoul, à justifier les chiffres vos chouettes. Ao anatin'ny budget, zay ray voalohany. Fa faharoa koa hoe rehefa vitanao tsara izay ary mitombina avokoa ny zavatra voalaza ao anatiny a dia tokony ho hainao koa izany mandamina ny hafahanao mamatsy vola nitetika asanao rehefa avy eo. Zay le resaka finance. Merci Monsieur Tantel. Une remarque de Rare Sourcine RH en ligne. Qui dit qu'une société a-t-elle un avenir sans avoir suivi ses règles au départ ? Parce que la création est plutôt intuitive. Donc si on ne suit pas ces règles-là, comment ça se passe pour une création, pour un entrepreneur ? Voilà, on a peut-être que c'est une règle d'or. Il y a fatsoué les 10 commandements. Hein ? Oui, effectivement, oui. Nous, on a fait peut-être tsara nanan, fa tsy midika akory hoe rehefa tsy natao ireo dia resy ianao tsya be dia be ny olona nahatafitany tetika asany a fa tonga dia entre guillemets amin'ny tenitsika tetika asa zay tonga dia kopisoroka
Fanit, usando o voteiro de somente, somando no carácter obrigatório, facusa, refamba, teana na logica, só tens a tempo, vamos estar na cua, milamiain, partia na china na cena na ciuian, que a refata fitrava na tenua, não demanda na logica, refamiaina manuca na noa, o voteiro, o sairan nu, refa, amftona, mapetias. Merci. Une autre question de Maëriza qui demande sur la règle numéro 1. On dit qu'il faut déjà être expérimenté dans le domaine, mais est-ce qu'on peut se fier à son intuition ou à son flair? Vision, misitona, tena ilain. Ary vision yo, misitona, tena manampi. Fandretra-retra nefa tsy voatery anana an'izay. Mety ho marina, mety ho diso. Fa justement, izay fananana an'izay flair izay, misitona, tena manampi. Andresantsika teo moa izay hoe ay ny mahay manavaka ny vary amin'ntsiparifary ahafahantsika miroso kokoa fa io tsy izay nataontsika hoe misy karazana olona avec très peu de moyens, avec très peu de choses dia afaka ny identifie sahady hoe tisitisitiny ataoko dia iny ny lalako vita ny tohatra iakarako dia vita ho an'ny hafa tena mila information be mihitsy izy mety vita ohatra izy tsika teo hoe étude de marché sns vao afaka isurpasser étape hafa indray. Samy manana ny démarche aneny izany fa tsara fotsiny hoe manana olontsika anjavatra ianao satria io no anampy anao amin'ny fanatotosanao ny tetika asanao rehefa avy eo satria mivadika logika anao ny fanananao an'ireo dix règles d'or ireo. Misaotra tompoko. Une question de Soafaratina Jampajana. Il arrive qu'il y a des changements au fur et à mesure de la progression de la vie de l'entreprise. Dans ce cas, est-ce qu'on doit mettre au fur et à mesure notre business plan à jour? Ny business plan araka ilay voalazantsika teo any amin'ny objectif fahatelo hoe c'est aussi un moyen de bien mettre en œuvre. L'objectif fahatelo io servir de guide de la mise en œuvre. Zany hoe misy fotoana ary azadiny fa natsotsika hoe business plan aloha le plan dia midika fa miainga avy aminy hoe manao plan tsika izany planification nataontsika eo fandrindrana fahana te ho tonga amin'ilay tanjona zay voafaritra ilay business plan fa ny sur ary tena afaka miafirme an'izay zato isan-jato fa ny zava-drehetra akory tsy voatery hoe voaraka tsipirihany ny business plan. Noho izany izany ary izay ny ilayntsika n'ilay progression teo hoe misy ny fanatsarana azo atao, rehefa misy ny fanatsarana azo atao dia atao izany. Fa zao nefa ny zavatra tiantsika fantarina fa business plan misy fotoana azo lazaintsika hoe lafo mamolavola azy, tsy en termena vola fotsiny io fa en termena fotoana ihany koa. Noho izany tsy hoe androany misy zavatra fiovana dia rahapitsondray ovaina dia sns fa tokony manana periode tsara izany tsika tena hitantsika hoe rehefa natao ny fandrefesana ny ti periode tia ka hatreto amin'ny ti periode tia dia tena hitantsika fa ilaina tokoa ny manao mise à jour an'ilay business plan na tsia tsika ihany izany dia afaka hamaritra an'izay. Entendant la salle misy fanontaniana sa misy hafa mandra-patonga ny micro. Une question de Radu Ranjiamalal. Ne peut-on pas s'investir sur un type de business qu'on aime et que l'on ne maîtrise pas forcément? Quels sont les avantages et inconvénients dans ce cas-là? Ne peut-on pas s'investir sur un type de business qu'on aime et qu'on ne maîtrise pas forcément? Et quels sont les avantages et inconvénients dans ce cas-là? Yo, fan de sa tika we tsara fona lo tika miainga ho anatin'ny zavatra voafehy. Tsara le fitiavana. Ary matetika ireny passion fa misy fotoana koa ny passion mandiso lalana. Zay izany mila fantaritsika fa matetika ny passion misy fotoana mandiso lalana. Nefa na zanona tsy izany ary izay ny anankiray faharoa ao anatin'ny règle d'or fafiry izy teo izay milaza fa misy fotoana isika dia tokony mahay miara-miasa amin'ny hafa.
Mety ho antsika no mijery hoe iza ireo mpiara-miasa afaka ny fampisehatra amintsika ireo dia ireny no anampy fa tsy voatery hoe satria tsy voafehako a fa kosa mananamana ary izay ny ilaina an'ilay partenaire. Partenaire izany matetika ny eritreretintsika tsenina ilay tsona hoe partenaire dia matetika hoe partenaire financier izay aloha ny zava-dehibe voalohany fantatritsika. Fa aorianan'izay mbola misy partenaire teknika, aorianan'izay mbola misy partenaire commercial, aorianan'izay mety misy partenaire stratégique ary ny fandimy dia mety misy formana partenaire lazaintsika hoe joint venture, fifanarahana mihitsy izany a no mahatonga n'ilay partenariat tafavory. Raha tafiditra ao anatin'izay satria misy parti voafehan'ny hafa, misy parti voafehako tafiditra ao anatin'ny filininako mihitsy ilay izy a, pourquoi pas hozy izytsika. Ok, bonjour, je m'appelle Véronte, merci pour cette présentation. J'aimerais savoir s'il y a des points plus importants parmi ces règles d'or en fonction... Y a-t-il des points plus importants parmi ces règles d'or en fonction de la taille d'un projet? Ou c'est valable pour à chaque projet? Si un petit projet, si, est-ce qu'il y a des points qu'on devrait mettre plus en exergue parmi tant d'autres? Merci. Matoa izy nampidiritsika ao ny masom-bolamena dia satria important daholo izy amintsika izany fa fotsiny ohatra zao hoe le dixième règle ozy ah fotsiny te ozy izy ny fitenenana hoe manaova appel amin'ny expertise a raha ilainy zany iny zany tsy midika rehefa voafehanao moa ilay izy anananao daholo ny compétence rehetrarehetra mety ho azotsika le ferina ny lafin-javatra sasatsasany fa amiko a le sivy ambin'ireo important daholo le fanompolony a dia mampiditra antsika ampiakatra kokoa ilay nivoan'ilay projet zay hidirana ao anatiny ny fahaizana miara-miasa amin'ny hafa. Une question de Nambine Andriamalal et Lili H. Nyaina Nolan Rabearso qui rejoint également la question de Raf Maier. Comment faire pour protéger nos idées des copieurs? Ny afahana miaro ny hevitra aloha voalohany indrindra dia ny fananana vata mihidy zay olona fantatra ao fa olona afaky ny anampy anao ao anatin'ny projet anao ihany resahana na ny ao an-trano ary misy fotoana rehefa tena tianao tafa roso lalindalina ny tetika asanao dia tsy voatery resahana amin'izay ao an-trano akory ary satria indraindray ireny no lasa mitery misintona midina fa tsy manosika miakatra izay ny anankiray fa faharoa ny afa neneo izay naresahantsika hoe vata midy izay hoe tsy mila be resaka izay aloha ny anankiray. Ny anankiray fanteliny a ny amin'ny lafi ny araka lalàna izany a dia matetika izany au niveau principe misy omapi sy ny sisa sy ny sisa fa ny olana dia tsotra misy koa an'ireny izay ny ray voalohany fa faharoa misy fotoana zavatra fiovana kely fotsiny ao anatin'ny mety hevitra hanananao dia mety harefy anao ao anatiny tadidintsika tsara angamba ny adiny caiman sy lacoste par rapport amin'iny logo iny fa ny anankiray fotsiny nahatonga ny lacoste moa izany ny tena tompon'le voay tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo ny anankiray ny sokatra ny vavany ny anankiray mikatona ny vavany dia resy ny anankiray ka izay nataoko hoe io a fahaizanao mifeny tenanao sy mifeny vavanao ihany ny tena important mba fahanao hoe miroso fainganao ao anatin'ilay projet. Io faharoa rehefa une fois ka efa fanefany izay rehefa une fois fa fantatra ao fa io projet io mbola vaovao eo anivon'ny tsena dia ny tokony ataonao voalohany a dia ny afahanao mihinoandeha aingana aloha ny tsena mbo ianao ny tompon'ny tanàna voalohany vo miditra rehefa avy eo ny mpanao copicolé izay angamba. Une autre question de Rari Sourcine. En finançant un projet par nos fonds propres, un promoteur doit-il rédiger un business plan? Ny azadiny fa io ty règle d'or io a dia napetrakitsika tsara raha naharaka tsara tsika fa tsy voatery natao an'ny partenaire financier irery ihany ilay business plan fa voalohany io business plan io aloha dia ho anao
Et nous voulons tenir les projets, nous topons les business plans. Nous avons fait un mandrin de la terre qui a été fait. Oui, quand on sort, il y a des quantités, c'est un valeur en les projets, fatatoué, aïza ouais, c'est normal les projets, fat se voterouer, awan attend loin nawa ouvisien, de terrain au foot, c'est naman amanti de nation, pierre amiasa, en arakan loin nawa, farifa vous surat awan attend business plan nénia, de lasa outil de travail, yéran am naman a pierre amiasa retraite awe, yéton train étape mission tsika, amti business plan, tenuisan, il a une fonazan business plan, sans être obligatoire. D'accord, merci. Donc une question de Luc Rabéandjiamar qui rejoint celle de Michel Zozo. Quelle est la différence entre un business plan et un business model? Et y a-t-il une limite sur le nombre de pages pour le business plan? Ah, les fantanina faran volou, falik volone, mais ce nombre de pages, un business plan. Tis, il y a l'outil de tis, il y a des gens qui valent. Il y a la caraclaï, affichage les projets. C'est un projet comme, mais c'est un atténuant affichage. Mission quelqu'un, mission à ton ton. Ou autre chose, c'est un investissement bien, ou quand on trano, dit qu'on sait, tu quand t'as fait ton plan trano, avant d'atteindre le business plan, ou autre. Ça ira y faire. Mission ton, c'est que t'es un niveau de détail par rapport au mlay, fin de le plan financier. Plan financier, faut s'en tenir. Mission ton, à mettre ma tête, j'en ai 50 pages, rien que sur le plan financier. Faut mission ton, à m'y aller, à m'y synthétiser, ça y est, t'es fit, n'y a pas. Ni n'aime ni partie rédactionnelle dit se voter lavapé femme faire na fond ce qu'aime les kiss kit it simple and sexy am sozan il a une mise mais man des lâches fa tonga de faut faire trois nattes au tableau là ça va très laine retraite ma casque en lait tête casse. La prochaine question est de Zanaté. Azafat Fanisatine, que les Namalens, les Fantanines, ma casque année, et l'année, l'année, dans ma Samia, faisait un business plan, c'est un business model. Ma tête, quand il y a un bout en alloue, des fanales, c'est un business model. Business model, la Zania, dit à Yu, le Tena Fonsakevt, en Anatik, Tena Wele, foutre les business plans, Namis. Milo Tateran, Fatar Tsikafa, Savata Tena Tukunia Mukatu, ou Anatan Setsikiozan, Armila Ketchen. Tikenatsunoe, Mila Ketchen, Dimitranem Lewe, Tena Aitan, source de revenus, Ari, Idjam Lewe, Azo Piar Natsara, Mumbanu. Fanenatan business model, Zan, Dem Laza Savatam Nekapen, Fatsam Laza Tetai, Nuzanel. Fietumbuan zan de ma tête qui a fait un business model, de le business model, nous, changeana ou planifiana de cette qui a fait mettre en étant dans son oeil business plan. La prochaine question est de Zanaté Nazaf. Est-il obligatoire de travailler en équipe? Voilà, ça te met, ça y est. Ça y est, ça y est, sauf ton anneau, t'en apprécies. Ça te met, amsoar hein de ce vitani en équipe intune hein nous tokony arayasa fa misy tokony karazana chaîne par rapport à la filière ouatra ouatra no panao lamba mena ianao zany hoe lande no matière première zany arayasa am pamokatra lande ianao zany fa ze fiaramiasa zay tena tokony yakatra bebe kokoa satria rehefa tsy mandeha ny fambolena landy dia tsy manana landy matière première tsara ho atao isika dia farany mikatso eo ny ataontsika hoe fivelaran'ilay biznesitsika noho izany zany tsy vitany hoe mila miara-miasa en équipe en interne fotsiny fa mila mahay miara-miasa ihany ko a amin'ireo facteur rehetrarehetra zay mety mampivelatra an'ilay biznesy anananao.
Ça veut dire en interne, faut sans enfin à externe, mais ce n'est rien de la ligne. Une question de Rivuniana Rakutmanansu. Auriez-vous quelques conseils s'il s'agit d'un métier familial? S'il s'agit d'un métier, ma tête que j'en ai, n'a t'en a tsara, n'a t'en a ratsa, n'a fait ramia, s'en fait un kafin. Ça te chose, c'est ni vasazae, mais si t'en as la sapoulo, toto, métro. Manzara lasa tsy manana fiainana otsony ianao izany rehefa avy eo rehefa ny ao amin'ny fianakaviana dia lasa mifanorosory eo fotsiny dia mety misy fiatraikany any amin'ny businessinao izay rehefa avy eo. Izany anefa tsy manakana koa rehefa hainao tsara ny resaka fifandraisana izany rehefa haintsika tsara ny fifandraisana amin'ny rehetrarehetra dia tsy tokony hisy olana. Fa matetika fotsiny izay ka matetika mpitranga. Oui, lasa le tsaitsona no mifehy hoe iza ny maninona ao anatin'ny fitantanana satria miditra ny fianakaviana eo ny mpiara-miasa iza ny manao ninona ahoana ny atao manjary lasa korotana ny fiafarany fa raha ohatra kosa moa aino migere an'izay hoe tsy ho tonga mikorotana dia arabasoa arabatsara. Une question de Dzoare Ratsimarizay concernant la règle d'or numéro 7. Pouvez-vous expliquer davantage la gestion de risque? Merci. Gestion de risque, alors ma tête qui a été quand même tombée dans les fantasmes, c'est que c'est ma tête qui a eu fond à Niatine. Oui. Autre chose, il y a une femme qui a géré un risque. Il y a une gestion de 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 risque. Son tokony risika ao anatin'izany izao ny fifehezana azy. Tsotra fotsiny tokony atao izany, tokony ho haintsika no mijery ny karazana risika rehetrarehetra mety hipotra fa izay risika rehetrarehetra mety hipotra dia fananantsika valiteny karazana vahaolana. Raha vao tia no mipotra, tia ny vahaolana amin'io. Izay ny bazin'ny antsoina hoe gestion de risque izany fa misy koa rehefa avy eo ny antsoina hoe formana anticipation efa fantatrintsika ary izay ny manaraka saison ohatra efa fantatrintsika ohatra ny mpambolintsika sy ny sisa fa hoe amin'ny fotoana ohatraohatra izao dia mety hilatsaka ny avandra dia inona ny tokony atao ahoana ny tokony fiarovana tokony atao dia efa fantapantatrintsika izany izay dia efa tokony miomana amin'izany dia izay ilay atsontsika hoe sens en anticipation ny anankiray tafiditra ao anatin'ny gestion na risque. Ny anankiray fahatelo dia tafiditra ao anatin'ny gestion na risque ihany koa izany ny fahaizana ataontsika hoe mampiasa hatrany amin'ny investissement io izany dia efa fantatrintsika fa isy impacta be rehefa tena gérer risque isika ohatra ny misy fotoanantsika zao ohatra ny ao anatin'ny ataontsika hoe manana ozinina anankiray ntsika fitotombary ohatra izay ny ozinina nanantsika fa tsy itovy mihitsy ny ozinina fitotombary nafarantsika tany Chine zay anina sy ozinina fitotombary nafarantsika tany Suisse fa ny tany Suisse lafo be tany Chine mora fa ny tany Suisse misy garantie 5 taona raha vao simba io dia mandefa teknisianina avy any mihitsy ilay orinasa mijery sy ny manamboatra ny fitaovana anao ao manolo ny piesy fa rehefa ilay mividintsika tany Chine rehefa simba io manasa tanana sisa azo atao. Alors, il nous reste 5 minutes avant la fermeture de cette session de questions. On va encore prendre 2 dernières questions et on va clore. D'accord. La question de Sejakama Tsang. Laquelle de ces 10 règles est la plus importante? Si tu devais prioriser une règle parmi les 10 règles d'or, ça serait laquelle? Amko lutz de mis lote sa tim famenjo complémentaire et heureuse, hein, de la mission et la créer sur de la maïvantanza, ça, ça mène à l'anza, ça met fa, mi famine, j'en ai règle d'or, à un fan piacne. Une dernière question de Ijino Razaf Mahalaz. Sur la ligne de progrès, technique de perfectionnement, transition entre perfectionnement et croissance à des. Et croissance, pouvez-vous développer un peu, s'il vous plaît?
Sur la ligne de progrès, technique de perfectionnement, qu'est-ce que vous entendez par technique de perfectionnement? Quelle est la transition entre perfectionnement et croissance? Pouvez-vous apporter plus d'explications, s'il vous plaît? Afiriko tsara fa ao anatin'ny tetikasantsika isika izany dia misy ny fiaingana. Io matetika natsoina hoe projet izany ange miainga amin'ny zavatra tsy misy. Ohatra ny anao trano ihany io tsy maintsy miakatra ny fototra, izay ny fondation. Faharoa, hoatsaraina iny. Misy fotoana aloha ahafahantsika mandamy mametraka ny antsoina hoe fondation, fa maprojet ny projet dia aza diny fa ao anatin'ny in'le fiatombohana iny tsy maintsy misy foana ny imperfection. Misy zavatra azotsika tsaraina foana ao anatiny. Ary le satria efa manomboka miditra ao anatina projet anankiray tsika dia manomboka ny expérimenté tsika le projet dia manomboka mahazo lesona tsika ao anatiny. Ary efa matetika iny lesona fanatanterahana iny mihitsy ny tena lesona farany tsara indrindra, fa tsy voatery le lesona homentsika eto. Satria iny lesona iny ny lesona tena hoe leçon de vie ozy izy ny vazaha. Lesona azo tamin'ny fiainana mihitsy dia iny rehefa avy eo no raha dans le sens positif le izy, dia iny le hoatsaraintsika. Raha dans le sens négatif dia iny le zahantsika tadiavana vahaolana tsaratsara kokoa, hoe ahoana ny tsy verenana iny intsony. Izay le ataontsika hoe perfectionnement. Ny perfectionne rehefa avy eo tsika hiditra anatin'ny phase de croissance, le phase de croissance izany ametra hoe ohatraohatra ny ahoana ny atao fa efa mia mahazo envergure ilay projet, ary efa hiakatra any amin'ny antsoina hoe maturité. Izay zavatra izay izany aza teny fa satria na ny état d'esprit an'ilay porteur de projet ary amin'ireo période ireo tsy mitovy. Hafa mihitsy izy rehefa amin'ny voalohany, hafa izy amin'ny voalohany resantsika hoe fondation, hafa rehefa amin'ny perfectionnement, hafa rehefa amin'ny croissance, ary hafa rehefa manomboka tafiditra ao anatin'izay hoe maturité izay. Hafa mihitsy ny comportement ny reporteur de projet na entrepreneur ireo izany ao anatin'izay période samihafa izay. Tsy mitovy tsony. Ok, donc la dernière, on va regrouper les questions en une dernière question. Ce sera plutôt qui concerne plutôt les templates business plan. Il y a ceux qui demandent les templates de business plan, les matrices financières. Est-ce que c'est prévu de faire d'autres séances sur les pitchs? Donc, je vous conseille de vous connecter aux réseaux sociaux de l'EDIBM parce que c'est prévu. Les templates seront partagés. La session de pitch sera dispensée également. Donc, restez connectés, ça viendra. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tantel, pour ce cours. Merci également à nos internautes qui nous ont suivis via le lien webinaire. Nous nous excusons pour les petits soucis techniques. C'est pas toujours évident, donc merci encore. Pour information, la présentation et la vidéo seront disponibles en ligne, donc elles vous seront envoyées par email. Je tiens encore à remercier l'INSCAE pour toute cette salle, cette logistique. Merci encore. Merci à l'équipe de la régie, merci à l'agence Bécom, merci à nos collaborateurs de l'IDBM pour tout cet investissement aujourd'hui. Je vous encourage aussi à continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'IDBM, le compte LinkedIn. Nous continuerons à vous partager des informations sur les prochains webinaires. Nous serons ravis aussi de récolter vos témoignages concernant l'organisation de cet webinaire et aussi de l'atelier qui va suivre pendant ces deux jours. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. En tout cas, nos internautes en ligne, au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup à l'assistance, merci à tous d'être venus encore une fois. Alors, nous allons passer dans une session. Alors, question, est-ce que vous avez encore des questions en fait dans l'audience? Parce qu'effectivement, on a reçu beaucoup de questions en ligne et j'aimerais savoir si vous avez encore des questions ici.